Street Golf, le collectif Golf de rue d'Amiens organisait le samedi 2 avril une session nocturne. Allons voir une façon différente de pratiquer le golf. Créativité et liberté sont les mots d'ordre du street golf. Né dans les années 90 en Allemagne, le street golf fait son apparition à Amiens en octobre 2009 par la création de l'association Golf de rue, avec une antenne à Albert et Saint-Quentin. Aujourd'hui, il y a 15 associations de street golf en France, dont une qui est là depuis le plus longtemps, c'est le 19e trou sur Paris. Donc, qui chapeaute un peu les organisations existantes. Le but, bien sûr, c'est d'étendre la discipline, de la faire connaître au plus grand nombre et peut-être d'arriver sur le moyen terme à faire un championnat national. Une façon de désacraliser le golf plus classique et encore considéré par certains comme élitiste. On s'approprie l'environnement, c'est une manière de redécouvrir la ville de manière ludique. L'équipement est simple, club de golf d'occasion et des balles de mousse plus ou moins dures pour s'adapter au terrain proposé. Le parcours est vite trouvé, l'ensemble de votre ville peut devenir un parcours. Donc on a un petit brief en début de session sur la sécurité pour pas qu'il se passe n'importe quoi, on tire pas en direction des passants ou des voitures par exemple, ou même des vitres. Donc on fait quand même très attention à ça, on s'adapte vraiment à l'environnement. L'objectif peut être très différent, statue, fontaine, parc-mètre, poubelle ou arbre. Beaucoup plus dynamique que le golf classique, la technique diffère par le fait de pouvoir utiliser les effets du ricochet. Vous voulez swinguer? Alors rendez-vous aux prochaines sorties de golf de rue qui ont lieu tous les mois et ouvertes à tous.